Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet des défis de la semaine 7 de la saison 4 de Fortnite. Donc on commence par le premier défi qui est de fouiller des coffres à Cathy Corner. Donc rendez-vous à Cathy Corner et là vous allez devoir fouiller 7 coffres pour gagner 25 000 XP. Le deuxième défi est de réussir des éliminations à Craggy Cliff. Donc rendez-vous à Craggy Cliff, faites 3 éliminations et là vous débloquerez 25 000 XP. Le troisième défi est de rentrer dans le bunker du fief de Fatalis. Alors pour réaliser ce défi, rendez-vous au fief de Fatalis. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est trouver Fatalis, donc le docteur Fatalis, qui détient la carte du bunker. Alors, soit le docteur Fatalis se trouve dans le grand château, ou alors il se trouve juste en dessous du terrain de foot. Donc, rendez-vous à l'un de ces deux emplacements pour essayer de le tuer et de récupérer la carte du bunker. Quand vous avez récupéré la carte du bunker, ce que vous devez faire, c'est ouvrir le bunker et rentrer dans le coffre-fort, ce qui vous validera le défi. Et quand vous aurez validé ce défi, vous gagnerez 25 000 XP. Le quatrième défi est de détruire des boîtes d'araignées à l'autorité. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à l'autorité. Et là, suivez le même chemin que je montre dans le gameplay. Vous allez voir, il y a vraiment, vraiment beaucoup de toiles d'araignées. Il y en a vraiment un peu partout. Donc, ce que vous devez faire, c'est tout simplement les détruire avec votre arme ou alors avec votre pioche. Donc, franchement, il y en a vraiment partout. Il y en a même dans le coffre-fort. Il y en a dans toutes les pièces. Et il y en a même tout en haut du bâtiment de l'autorité. Mais en réalité, vous devez juste détruire 3 toiles d'araignée, donc il y en a largement suffisant. Peut-être pas pour tout le monde, si vraiment il y a tout le monde qui s'y met directement. Mais je pense qu'il y a largement suffisamment de toiles d'araignée à l'autorité pour réaliser votre défi. Et quand vous aurez validé ce défi, vous gagnerez 25 000 XP. Le cinquième défi est de découvrir le laboratoire secret de Tony Stark à la maison Lacustre. Alors la maison Lacustre, elle se trouve juste à côté de Stark Industries. Comme vous pouvez le voir dans le gameplay, ce que vous devez faire, c'est tout simplement rentrer dans le sous-sol, donc qui est le laboratoire de Tony Stark. Donc comme je le fais dans le gameplay, je suis le petit chemin, je détruis le buisson et là j'arrive carrément dans le laboratoire de Tony Stark, un laboratoire secret où il y a même une armure de Iron Man. Donc voilà, vous devez juste vous rendre à cet endroit là pour réaliser ce défi. Et quand vous aurez découvert le laboratoire, vous gagnerez 25 000 XP. Le sixième défi est d'aller en voiture de Sweetie Sand à Misty Midon en moins de 4 minutes sans en sortir. Alors ce que vous devez faire, c'est tout simplement vous rendre à Sweetie Sand, trouver un véhicule. Moi je vous conseille un véhicule normal parce que tout simplement je l'ai fait en véhicule normal et j'ai pas manqué d'essence. Donc bien entendu, vous trouvez un véhicule normal, vous le remplissez d'essence et là vous pouvez commencer à aller à Misty Midon en moins de 4 minutes. Alors je vous conseille bien sûr de suivre le chemin, ce sera beaucoup plus simple parce que si vous allez dans la terre et tout et que vous essayez de prendre des raccourcis, ben je pense que votre véhicule va être ralenti et va consommer beaucoup plus d'essence. Donc restez bien sur la route principale et allez jusqu'à Misty Midon en moins de 4 minutes sans sortir du véhicule. Parce que si vous sortez du véhicule, c'est mort, il faudra recommencer. Alors j'ai pas essayé avec une voiture de course, mais je pense que la voiture de course, vous allez manquer d'essence. Donc si vous êtes deux, je pense que le deuxième joueur qui est avec vous va pouvoir rajouter de l'essence. Mais voilà, moi je vous conseille pas de le faire avec une voiture de course. Je pense qu'avec une voiture normale, c'est largement suffisant. Donc voilà, après c'est à vous de voir. Et quand vous aurez réalisé ce défi, vous gagnerez 25 000 XP. Le septième défi est d'infliger des dégâts après avoir repoussé un adversaire avec le tourbillon explosif de tornade. Alors pour réaliser ce défi, je vous conseille de soit aller en KO Marvel ou soit en domination Marvel. Donc moi dans le gameplay je vais en KO Marvel parce que je trouve que c'est plus simple. Vous avez plus l'opportunité de trouver des ennemis directement parce que c'est du fight 2 contre 2. Donc directement l'ennemi est en face de vous. Mais si vous voulez, vous pouvez directement aller en domination Marvel. Et là, ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir votre parachute dès que vous êtes en l'air et de chercher après le pouvoir de tornade, donc qui est la tourbillon explosif. Dans domination Marvel, ça va être un peu plus compliqué parce que les ennemis, je trouve que ça va être un peu plus compliqué de choper l'ennemi et tout ça. Ils vont sûrement pas rester trop près de vous. Donc c'est un peu compliqué. Moi je l'ai fait en KO Marvel, mais le problème de KO Marvel, c'est que vous ne choisissez pas vos pouvoirs. Donc il va falloir attendre ou recommencer à chaque fois une partie jusqu'à temps que tomber sur le pouvoir de tornade
pour effectuer le défi. Alors le défi, comment il s'effectue? Écoutez bien, parce qu'en fait ce que vous devez faire, c'est de faire un coup de tourbillon explosif sur l'adversaire, et quand vous l'avez touché avec le tourbillon explosif, vous allez devoir lui infliger des dégâts, et vous allez devoir lui infliger 1000 de dégâts. Donc c'est pas encore trop énorme, je pense qu'en une seule game de KO Marvel vous pouvez le faire, mais le tout c'est de toucher l'adversaire avec un tourbillon explosif, et là il va falloir être assez proche de l'adversaire pour pouvoir le toucher. Parce que la zone d'explosion est très minime, je trouve. Alors pour savoir si vous l'avez touché avec le tourbillon explosif, vous allez le voir, il va commencer à décoller d'un côté ou d'un autre, vous allez l'expulser, et à ce moment-là, ben, vous devez lui infliger 1000 de dégâts pour réaliser ce défi. Et quand vous aurez terminé ce défi, vous gagnerez là, cette fois-ci, 50 000 XP. Et le dernier et huitième défi est d'infliger des dégâts à des adversaires à Coral Castle. Donc rendez-vous à Coral Castle et là, infligez 500 points de dégâts aux adversaires pour gagner 25 000 XP. Cependant, j'ai peut-être une astuce, mais je ne suis pas sûr qu'elle va fonctionner. À Coral Castle, il y a toujours un requin dans les environs. Donc essayez de lui infliger des dégâts pour voir si c'est comptabilisé comme des dégâts à un adversaire. Et peut-être que ce sera une astuce pour finir votre défi. Donc voilà pour les défis de la semaine 7. Cependant, j'ai un truc à vous dire aussi, c'est que si vous finissez 10 défis de la semaine 6 ou de la semaine 7, vous débloquerez la variante du skin classique de Wolverine. Donc voilà, vous avez juste à remplir 10 défis de la semaine 6 ou semaine 7, donc les deux cumulables, et là vous débloquerez la nouvelle variante de Wolverine. Enfin bref, voilà qui termine ce guide complet des défis de la semaine 7 de la saison 4 de Fortnite. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec et ciao, peace. I'm Nick, bruh. 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 I'm Nick, bruh.